Et salut tout le monde, c'est Mario Vidéo 44. Bonjour tout le monde. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo découverte sur un jeu, bien vous l'aurez compris, sur Pikmin 3. Et oui, on se l'est pris finalement, hein. On avait hésité à se le prendre. On a vraiment hésité et là on a eu une occasion de le prendre. Donc, du coup, alors, totale découverte pour le jeu déjà et pour la série. On n'a jamais joué à Pikmin. Jamais de notre vie on a. Et on ne sait rien, mis à part un ou deux trailers de ce Pikmin. C'est-à-dire vraiment. Non, même pas. Voilà. La seule fois qu'on a joué à Pikmin, c'était dans Nintendo Land. Sinon, on n'y a jamais. Voilà, voilà, on peut dire ça comme ça. Voilà. Donc il y a. Vas-y, Sacha, lance-le. Bon, alors, c'est moi qui me le. C'est Lucas, alors. Oui. Qui. C'est-à-dire moi qui me le suis pris. Donc. Merde. Donc bon bref, ouais. Donc bon, de toute façon c'est on peut jouer quand même en attendant. Alors en fait on se l'est pris parce qu'il n'y avait aucun jeu intéressant qui était sorti. Donc on s'est dit bah du coup pourquoi pas se prendre Pikmin 3. Voilà et alors le jeu est sorti vers le 28 juin. Il est sorti après nous Super Luigi. On va démarrer le logiciel. Il est sorti après New Super Luigi U, oui, oui. Et avant Rayman Legends. Oh. Bon. D'accord. Un temps de chargement assez. Waouh. Wow. Bon, généralement, quand on commence à jouer, là, on peut voir. Un petit temps de chargement avec un Pikmin. Ouais, bah, le temps de chargement, il a l'air un petit. Ouais, bah, en général, il peut. Oh. Création des données de sauvegarde en cours. Wow. Bon vraiment, alors, je le rappelle, on connaît rien du scénario, on connaît rien vraiment du tout du jeu, j'ai jamais. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il y a un mode solo et un mode deux joueurs, mais malheureusement pour jouer avec la télé commande, oui, vous devez connecter un capteur. Oui, bah, d'accord, oui. On en a un. Ouais. Regardez le téléviseur. Oh. Merde. Au continu de l'univers, une planète est au bord de la ruine. C'est bon, le mec il dit. Son nom, Copay. Oh, j'aime bien Copay. La croissance existe. Oh, putain, merde, on s'en fout. Ah, mais non, on doit le dire. Il y a un manque de nature d'organisation. A conduit les habitants de Copay à épuiser toutes leurs réserves de nourriture. Ouais, pourquoi c'est en anglais ? Leur seule chance de trouver de la nourriture sur une autre planète. Des sondes spatiales appelées Spiro sont donc envoyées en reconnaissance. Ça a l'air bizarre, Pikmin. Ok, Non, mais c'est. Hélas, leur recherche se révèle infructueuse. Mais alors qu'ils allaient abandonner tout espoir. Donc ça, les dernières des sondes fait une découverte miraculeuse. Oh, on dirait la Terre. Positif. Ça, c'est... Ils se mobilisent donc pour aller explorer la planète qu'ils ont baptisée PNF-404. Pourquoi c'est une fleur de feu, le vaisseau. Les destins de Copay est désormais entre les mains de trois intrépides. Oh, j'aime pas leur gueule. Comment il s'appelle? Il y a. Alors, sur le gamepad, il y a regarder le téléviseur. Ah non, leur voyage, non, de. Année-lumière, tout ça, c'est ça. Bah, dis-moi, j'espère que sur cette planète, ils ont une longue durée de vie, parce que sinon. Mais alors, qu'ils enclenchent la séquence d'atterrissage. Oh là là, oh non, ils vont crever! Qu'est-ce que c'est? Un terrible incident se produit. Et là, ils se font expulser chacun. Ouais. Alors je crois qu'il y a... Oh, putain c'est joli ça. Je crois pas qu'il y a Olimar dans le jeu. Ouais, on s'est quand même renseigné un peu sur la série, hein. On sait qu'Olimar c'était Pikmin 3. Donc ça je suppose que c'est l'écran-titre, non? Non. Oui, non. Non, ça cinématique. Putain, il a l'air beau le jeu, il a l'air aussi beau que Rayman Legends. Exploration jour 1, 8h44, point de chute de Charlie. Ah, alors là on va apparemment diriger quelqu'un qui s'appelle Charlie. Alors pour information, il n'est pas 8h44, il est... Donc alors, Charlie, c'est écrit en japonais, j'aime bien. Non, enfin, la marque est Charlie en dessous, c'est très... C'est quoi ce bruit? Attends, il parle. Oh, des Pikmin. Charlie. Putain, c'est l'air beau. Oh putain, ouais, c'est vrai que ça a l'air beau. Franchement. Où est-ce que je suis? C'est en anglais, en fait. Ah oui, c'est vrai, sur la planète PNF-404. Bon. Oh, on dirait un gamepad. Appel sortant. Ici Charlie, vous me recevez? Ici Charlie, répondez. Non. Pas de réponse. Capitaine Charlie. J'aime bien. Alors, on vous fera pas. Attends. Fidèle équipage, j'espère que tout va bien.
J'ai réussi à m'en sortir, mais je suis dans un sacré pétrin. Voyons, si je... Ouais, ça va. Ah oui, en fait, on a prévu, on a... Donc non, il n'y aura pas d'épopée sur le jeu. On fera des vidéos. Mais on va beaucoup, on va vraiment vous faire pas mal de vidéos sur le mode de jeu. Oh, des Pikmin, c'est quoi ça? On va vous faire des vidéos sur le mode de joueur. Hein. Ça, c'est sûr. Mais non, Sacha, pourquoi t'as touché ça? Retour. Je joue avec la Wii Gamepad. En fait, je sais rien. Mais il y en a d'autres. Non, mais le mode histoire, j'ai lu que c'était solo. Il y en a là aussi. Oh, des champignons. Les champignons sont énormes sur cette planète. Ok. Oh, là, on a plein. Oula. Si ça se trouve, ici, c'est leur territoire. Oh, c'est joli par contre, hein, franchement. Que faut-il? Il entre, il s'approche. Oula, alors ça, je bouge avec le stick. Hein. Alors, sifflet. D'accord. Ah, je suis encerclé. Lancé. Oh. On va voir là-bas si j'y suis. Attention, je vais vous lancer. Ah, ils peuvent péter les champignons, en fait. Hein. Ça ne peut pas finir comme ça. Ah, rien y fait. Oh. Bon, j'aime bien pour l'instant. Enfin bon, on n'a pas vraiment joué, donc bon, c'est un peu con ce que je dis. Ils n'ont pas l'air hostiles. Attendez une minute. Donc je les rassemble avec ZR, je les lance avec A et je les renvoie avec B. Ok. Alors attendez. Alors, il faut que je les groupe en appuyant, d'accord, en visant. Je crois qu'il faut que tu en aies 30, Nantes. 15. Nantes, c'est notre vie. Attends, je vais refaire venir ceux qui étaient là qu'on avait vu en venant. Et là, on avait là. Ok, donc ça, je comprends pour les faire venir. Ok. Alors attendez, on va aller. Ah, t'en as loupé un. Ah bon? Ah non, il nous a suivis. D'accord. Oui, pour moi, il faut donc bon, bah, c'est des Pikmin jaunes, donc il existe différents. Après ça, je peux pas vous dire exactement à quoi ça sert. À quoi, enfin, les différentes couleurs. Alors, je vais les lancer. Oh, ça marche. Putain de sa mère. Ouais, ok. Donc, je peux les lancer. Ah oui, alors attendez, après, je les perds, c'est ça? Donc, au bout d'un moment, je dois plus en avoir. Donc, après, je peux les refaire revenir. Ok. C'est comme dans Nintendo Land. Sauf que dans Nintendo Land, faut tirer avec le gamepad, que là, bah non, c'est avec. Bah, c'est plus sophistiqué. Oui, bah oui, évidemment. Donc ça, ils vont les péter pour moi. Bon, c'est bon, on va peut-être pas tout péter non plus, surtout que ça ne fait pas gagner de bonus. Donc je vais les refaire revenir. Allez, voilà. Reviens par là, petit. Je dois retrouver mon équipe. Ah, en appuyant sur ZL, je peux recentrer mon point de vue. ZL. Bon, bah là, ça doit être bien. Alors, je peux péter ce truc. Regardez-moi la taille de ces champignons. Ok, on peut voir une jauge de vie du champignon. Ah, non. C'est... Oh oui, yes. Donc j'aime bien les pets pour moi, après. Allez-y, petit Pikmin, vous pouvez le faire. Allez-vous, revenez par là. D'accord. Ouais, bah, ça a l'air pas mal, non, le jeu. On a même pas. Alors, attendez, parce que j'ai cru voir qu'il y avait une espèce de grotte par là-bas. Est-ce qu'on peut rentrer dedans? Il y a des cristaux. Donc je crois pas qu'on peut, pour l'instant. Ah. On a d'autres là. J'ai bien fait d'aller par là, sinon les heures est loupée. Et là, il y en a un. Où? Là. Ah, mais petit, que fais-tu? Viens avec moi. Bon. Ah, on en a 20. Ah, bah là, je montre. Oh, c'est joli. Ouais. Oh, c'est joli. On en a 29. Mais monsieur, toujours? Bah oui, ce sont nos amis, petit. Hein. Ok. Alors là on rentre. Oh c'est joli là encore une fois. D'ailleurs Pikmin 3 et normalement il devait sortir sur Wii mais finalement ils ont plutôt décidé de le sortir sur Wii. Ouah ça fait mal aux yeux. Ah c'est des ennemis, ok. Ok bon bah je les ai tués hein, je crois. Je sais pas si on gagne du nectar comme dans Nintendo Land. Je sais pas non plus. Ok donc une fois que je les pointe en fait ils sont... D'accord, attendez, je vais un peu les rappeler. Sur un bouton, non, voilà, voilà. Si. En fait, faut que je les visse, par contre, pour les rassembler. Ok. Oula, c'est quoi ça? Que se passe-t-il? Oh, putain, j'ai peur. Oh putain, excusez-moi, mon gamepad, il a tapé dans le micro. Oh! Oula. Il est mort? Exploration, jour 1. 8h46, point de chute d'Alf. Ok.
Donc on va dans cette vidéo, à mon avis, on va voir un peu tous les personnages. Hein. Oh, il est tombé dans l'eau, lui. En plus, il est bleu. C'est-à-dire qu'il est bleu. Oh. Oh là, c'est quoi ce truc? Le vaisseau. Ah oui. Le vaisseau qui s'appelle le Drac. Comme notre chien. Oh. Ouais, notre chien s'appelle Drac, si vous voulez savoir notre vie. Alors, d'accord, un écran noir, c'est vraiment joli. Ok. Alors là, maintenant, sur mon écran Gamepad... Je suis encore en vie, je crois. Oh. Ralph. Alors. Le monde de Ralph. Oh, oh. Moi, c'est Ralph. Je suis ingénieur du Drac. Ok, il parle tout seul. Juste avant l'atterrissage, les commandes du vaisseau se sont bloquées et nous avons dû nous éjecter. Putain, la gueule de merde. J'espère que les autres sont sains et saufs, sans oublier le Drac. Où est-ce qu'il peut bien être? Putain, mais la gueule du mec. Alors, attendez. D'accord. On peut pas sauter pour apparemment l'instant. Le jeu en fait se déroule dans un univers en 3D, je viens de le remarquer. Non, déconne. En tout cas, c'est très joli. J'aime bien les petites musiques. Ah bah, il a eu peur, le Pikmin. C'était quoi cette chose? Je n'en sais pas plus que toi. Enfin, si je sais que c'est un Pikmin, mais on va pas te le dire. Oula. C'est quoi le truc là qui pend? Qui pend d'ouïe? Oh, voilà cette créature. Oh, il y en a plusieurs. C'est quoi? Quelque chose s'est pris dans les feuilles. Oh. Bon, bah, on va tout de suite découvrir ce que c'est, les amis. Deux et trois. Splendide. Quelle est cette merde? C'est le vaisseau? Non, je crois pas. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce qui est-ce que c'est la nourriture? On dirait que je me suis trompé. En tout cas, ça a l'air de leur faire plaisir, tant mieux. Bon. Ça se trouve, c'est un truc hyper connu des Pikmin, mais nous on le connaît pas. Je sais pas c'est quoi. On dirait une espèce de pomme avec une pâquerette. Je sais pas, je peux rien faire, j'ai l'impression. Bon, on a un pont ici. Ah! Non, on a pas de pont. Voilà, un espèce de gamepad là-bas. Ah, mon coupade! C'est un coupade. Grâce à lui, je pourrais savoir où se trouve le Drac. Attendez, je vérifie. Ok, donc je peux aller sur les. Non, je peux pas aller, je peux pas passer. Bah, où il est l'autre Pikmin? Non, celui-là. Ah! Attends, de gravat? Ah, ils peuvent le prendre, ok. Et un autre là. Ah, bah non, ça va prendre du temps s'ils sont 3. Ah putain. Allez, vas-y, va devant, petit. Bah. What? Quoi? Je sais pas quand je. Il y a les 3 là qui sont au travail. Ah bah oui. D'accord. Mais il m'en manquait alors. Mais oui, je t'ai dit que t'en as paumé. Ah bah voilà. C'est pour ça que je comprenais pas. Je me disais, mais putain, mais c'est moisi la maniabilité ou quoi? Ok, alors. Voilà. Et rapporte-moi les. Il est bloqué? Non. Allez-y, travaillez pour moi! En fait, l'esclave. De l'esclavage. Il est impossible de monter. Impossible de monter ici. C'est pour ça qu'on est en train de prendre. Bon. Alors, sinon, qu'est-ce qu'il y a si j'appuie? D'accord. Non, je vais pas recommencer quand même. C'est joli ce truc. Hé, y'en a un là! S'il y avait plus de ces créatures. Attends, ouais. Là. Oui. Vas-y, ah, si. Viens avec moi, je vais te faire travailler. Ça se trouve, ça sert à un truc. Hein. Ça se trouve, ça, je sais pas, ça peut peut-être multiplier les Pikmin. Je sais pas trop. Bon, c'est pas grave. Je trouve pas, ça serait un peu cheaté, non? Non, mais peut-être, je sais pas, que ça sert à quelque chose. Bon, bah, c'est fini. Oh! Ah bah, le petit... Ouais, le petit bruit, il y a dans okay. Nintendo Land. Splendide, la voie est ouverte. Ok. J'aime bien, franchement, j'aime bien. Yahoo! Oh.
Changement de la carte. Waouh. Et ben voilà, maintenant je vois la carte sur... Ouf, il fonctionne toujours. Voilà bien l'un des fleurons de la technologie coupienne qui a passé avec succès tous les tests de... Oh de solidité. Ah ouais, on peut voir sur la télé. Observons les alentours en faisant glisser la carte sur l'écran du coupac. Du coupad, plutôt. Mais où est le drac? Il devrait suivre le signal. Je touche la carte et je fais glisser. Oh. Le drac. Ah, ici. Le voilà, c'est le drac. Il n'est pas très loin d'ici. Peut-être que je pourrais trouver et retrouver les deux autres. Alors, on va y aller. Vu qu'on pourra peut-être retrouver les deux autres. Donc, alors, attendez, les amis, parce que j'avais vu qu'on pouvait... Ah oui, voilà. On peut... Regardez sur le Wii U Gamepad. Voilà, on peut jouer avec le... Ok. Non, mais c'est pas bien pour la vidéo. Oui, bah non. Ce serait un peu con de faire. C'est gros rouge, ça se mange. Attendez, bon, je vais tout de suite savoir. Ah bah ok, les crevettes. Ah sur un. Qu'est-ce que vous en faites, les amis? Ah, ils vont le mettre là-bas. Ah, tu crois? Non, mais prends-en un autre. Ah, t'en as vu un autre? Ah oui, d'accord, on a peur d'autres. Mais non, moi je suis myope, tu vois, alors je vois rien. Allez, prenez-le. Ouh là là, que se passe-t-il? Oh, des Pikmin. C'est des Pikmin, tu crois? Des pousses sont sorties de terre. Attendez, je vais aller voir. Alors là, ok. Et non, parce que là, je suppose qu'on peut pas le péter, ce truc là. Non, il me bloque le passage pour aller rejoindre le Drake. À mon avis, il a besoin de plus de Pikmin. Ouais, bah là, je crois qu'on va en avoir. Alors, du coup, là, ça a déterré. Ouais, bah voilà, c'est des Pikmin. Ah, c'est un bébé Pikmin, j'ai l'impression. Pikmin rouge. Je vois, c'est comme ça qu'ils se multiplient. Ce sont vraiment d'étranges créatures. D'accord, bah tu vois, je t'avais dit que ça devait servir à ça. Donc ok, alors là on en a plein. Mais ils sont aussi gros que les autres ou ils sont plus petits? Ou c'est l'impression? Ouais, non, c'est... Mais je sais pas, après si on peut en venir, peut-être que si on les laisse plus longtemps, peut-être je sais pas, qu'ils sont plus puissants. Non. Ah, c'est par exemple, ils sont pas avec toi et que tu passes devant et que tu les touches, bah je dirais que ça fait qu'ils soient avec toi. Oui. Enfin, je crois. Ok, j'en ai besoin de 20 alors, si j'ai bien compris. Tu n'en as que 10. C'est la fête. Ah, j'avais pas vu que le passage par ici. Ok. Oh putain, merde, les Pikmin, revenez. Où est-ce qu'ils sont? Alors, les Pikmin, vous allez m'aider à les tabasser parce qu'ils ont pas l'air gentils. Ah, pas d'accord, ils se sont barrés. Merde. Mais c'est en train de les tuer, non? C'est quoi ces trucs? Des larves. Ah, c'est leur fantôme ou quoi? Hé, hey, regarde, ils les ramènent, leurs cadavres! Bah, tue-les! Mais non, c'est leurs cadavres! Ils ramènent leurs cadavres! Oui, mais franchement, ouais, mais tu peux pas les tuer? Ah, d'accord! Ah, non, j'ai vu que c'était les ennemis. J'ai vu que c'était les ennemis qui ramenaient les cadavres. Non, je crois que... Ah, bah ça fait des... Ah, ok, bah tout est bon pour gagner des Pikmin, alors, hein, franchement. Ok, alors là, on a combien, du coup? Ça nous a fait combien? Attendez, rapprochez-vous, les Pikmin. 12. 13. Viens par là. Ça fait 13. 14. 15. Donc là, on est combien? 14, ok. Et avec ça... Ah, tu vois, ça fait gagner qu'un Pikmin, ça? Je crois avoir lu sur la notice du jeu que ça faisait gagner... ah, voilà. 5... attendez. Ah, d'accord. Faut en envoyer plein, là. Bah, il faudrait d'abord viser. Je sais pas, j'ai l'impression... Ah, d'accord, ok. Je visais pas. Ok. Ça demande... comme on a vraiment jamais joué au Pikmin... Je sais qu'on a l'air nul. Donc c'est un jeu, je crois, on peut pas speeder. C'est un jeu, voilà. Il faut que je m'occupe de la grande pastille. Je sais pas où. J'ai pas eu le temps de lire. Allez, venez ici.
Oui. Et elle est plus grosse cette pastille, ouais. Non? T'avais pas remarqué? Non, j'avais pas remarqué. Tout le monde a remarqué, je suis sûr, sauf toi. Tu es la seule personne qui n'est pas remarqué dans le monde. Ok. Ah, on en a un dernier là. Ah bah, j'en ai pas qu'un dernier en plus, hein. Allez, venez les Pikmin. Ah, il m'en manque deux. Putain, j'ai dû en perdre parce que... J'en ai perdu deux. Alors, attendez. Vous, vous allez aller là. Allez, 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 allez. Ok, donc ça m'en fait... Il m'en manque. Je sais pas, j'en entends gueule. Ah non, c'est eux qui gueulent, ok. Voilà. Ah bah oui. Allez, venez ici. Mais du coup, il m'en manque un, non? Oh là là! On arrive déjà à perdre dans le premier niveau. Alors, attendez. Ah, il est là! Ah oui, d'accord. Viens ici. Ah, il y en a un autre! Allez, venez ici, les petits Pikmin. Viens, allez. Ok, elle est venue. Donc, du coup, en plus, on va avoir un bonus. Ça, c'est pas mal. Et donc, je vais les envoyer. Allez, venez vite. Et voilà. Alors attendez, on est à 21 minutes. Regarde, il y en a un pour rien. Il s'ennuie. Le pauvre petit. Ah, vous l'avez marqué 20 sur la carte. Oh, c'est quoi? Il y a une carte mémoire. Il y a quelque chose là. Oh. On dirait que quelqu'un a laissé ses notes. Voyons si je peux les lire avec mon coup. Je sais que tu as sur l'autre derrière. Les oignons sont les matrices qui donnent naissance aux Pikmin. Les Pikmin y passent la nuit. Donc ça c'est... Pycnologie 1. D'accord, c'est... et c'est... Donc c'est un oignon, c'est ça? Oignon. Oignon, c'est marqué oignon. Non, c'est oignon. D'accord. Oh, ça marche ainsi, ces créatures s'appellent Pikmin. Ces données n'ont pas... Là, il parle en japonais, je crois. Ces données n'ont pas l'air d'avoir été laissées par le capitaine. Je vais quand même les sauvegarder dans les notes d'exploration du Cooper, au cas où. Ceci est un temps de chargement. Donc du coup, si je... Mais qui a bien pu laisser ces notes? Nous ne serions donc pas les seuls à être intelligents sur cette planète. Ok. Attendez, c'est quoi ce bordel? Oh putain, la caméra. Ok, bon, allez, on avance. D'accord, donc ici, ça... Bah, c'est celui qui ne sert à rien, non? C'est bon, il est avec moi, regarde, Fanter. Le drac, donc, n'est pas très loin. Je sais pas. Pourtant, je crois que ça sert à un truc, non? Non, c'est juste... Ça non plus, c'est pour faire de la lumière, ok. Donc on va lancer quelques petits Pikmin. Comment on dit, champion de Mario? Sacha commence déjà à rapporter tout à Mario. Non. Oui, si, mais non. Ah oui, je devrais les laisser péter. Oui, bon, je crois que ça sert à rien. Revenez avec moi. Ces champignons sont gros. Ils n'ont pas l'air comestibles. Bon. Oh, d'accord. Comment? Une construction? Est-ce que c'est l'œuvre d'être intelligent? Ouais, m'énerve avec ces êtres intelligents. Ouais, moi aussi. Allez, pétez-moi ça, Pikmin. Eh ben. En fait, c'est vraiment un jeu où on prend le temps des... de voir ce qui se passe. Je faisais ce mur ici. D'accord, alors. Pourvu que les deux autres soient sains et saufs. Ah bah voilà le drac. Le voilà, c'est le drac. Tiens, il n'y a personne, on dirait. Et mon coupeau ne détecte aucun signe de vie. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Oh, appel entrant. Un appel, voyons qui c'est. Alf, c'est moi, Brittany. Quel soulagement. Tu es avec le drac? Ne t'inquiète pas, je vais bien.
Mais je crois que je suis bloqué. Et puis, j'ai horriblement... Ok. Ah, ça a coupé. Peut-être dans une zone éloignée d'ici. Enfin, je suis rassuré de savoir que Mademoiselle Brittany est saine et sauve. Qu'est-ce que c'est que ça? J'entends des cris bizarres. Est-ce que les créatures indigènes deviennent plus actives au coucher du soleil? Je ferais peut-être mieux de quitter la surface de la planète pour l'instant. Donc on part dans le truck. D'accord. Ah, c'est à toi de faire. Non. D'accord. Bon, c'est très joli, hein, franchement. Et moi, personnellement, ça me plaît pour l'instant. Hein. Ah, le petit truc. J'espère qu'on arrivera à le finir à 100% ce jeu. Alors, c'est quoi ça? La majorité des provisions que nous avions amenées avec nous n'est plus consommable à cause du crash. Il ne nous reste que 3 jours de nourriture de Kupai. Oh, non, il boit beaucoup. Nous devrions commencer à chercher de la nourriture dès demain. Exploration jour 1. Ouh, yeah. Donc, eh bien, on aura fini cette mission avec vous. Je sais pas à quoi ça sert. C'est, je crois que c'est la première progression. J'ai un truc ici. Hein. Je sais pas, sur le gamepad, c'est un peu bizarre. Bon. Nous nous sommes écrasés sur la planète où nous venions chercher des vivres. Avec l'aide des créatures appelées Pikmin, j'ai pu retrouver le drive. Mais il lui manque sa clé supraluminique. Par chance, j'ai reçu un appel de Mademoiselle Brittany. Je partirai à sa recherche dès demain. Étrangement, lorsque j'ai décollé l'oignon, le vaisseau, mère des Pikmin m'a suivi. Signé Alf. Donc on a une petite sauvegarde. Sauvegarde effectuée. Exploration jour 2. Donc voilà, et bien les amis, on va se quitter là-dessus. Hein. Franchement, bien ce jeu, il a l'air totalement bien. Oui, c'est la. Ouais, ça c'est la Terre. Hein. Oh, ouais. Faut pas déconner non plus. Berger de l'espoir. Ah, alors apparemment, je sais pas si c'est un monde ou un niveau. Berger de l'espoir. C'est la France en plus, j'ai l'impression. Donc et bien voilà les amis. Quand je pense que la clé suprême a disparu, ça m'angoisse. Nous avons dû la perdre au moment où le trail s'est écrasé. Sans elle, nous ne pourrons jamais rentrer chez nous. Non. Ok, alors je peux retourner dans les anciens mondes. Donc voilà, et bien les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu d'ailleurs, bah, il faut que vous mettiez un pouce vert et un commentaire. Et si vous êtes nouveau, eh bien à vous abonner à la chaîne. Allez, ciao tout le monde, c'était Mario Vidéo 44. Allez, à la prochaine tout le monde.